la qualité de l'enseignement ici. C'était extraordinaire vu le sérieux des professeurs, du corps enseignant et de l'administration. C'était deux merveilleuses années que je ne regrette absolument pas, vu les circonstances, comme vous le savez, Covid, etc. Mais je pense qu'ils ont très bien tout géré. Et dans quelques années, je me vois acteur dans la sphère culturelle. Voilà. L'université m'a permis de faire une année en échange à Madrid, UAM, où j'ai réussi à m'immerger dans une autre culture avec un autre système éducatif et tout. C'était incroyable, que j'ai adoré et énormément apprécié cette expérience, mis à part le fait que cela m'a permis d'avoir un plus et un atout dans mon CV. Et je ne sais pas quoi d'autre dire, les profs sont incroyables, le système éducatif est totalement différent. Ce n'est pas ce qu'on peut trouver ou voir dans les autres universités privées. Du coup, je recommande forcément. Je note 10 sur 10. J'ai voulu que ce soit les étudiants, et j'insiste pour que ce soit les étudiants. Je pense qu'il n'y a que les étudiants qui peuvent exprimer leur joie aujourd'hui, et surtout ce qui s'est passé, leur cursus surtout, et le programme Elihad ou fit plusieurs années pour arriver à la collation des grades aujourd'hui, et c'est la fête des étudiants aujourd'hui. Je crois qu'on est tout le monde est content, les étudiants sont contents, c'est le plus important. Lyoum Ahna, l'Université européenne de Tunis, donc aujourd'hui elle a des diplômes nationaux et aussi une accréditation européenne de ces diplômes qui permet une reconnaissance à l'échelle internationale par une agence d'accréditation européenne, l'European Accreditation Board of Higher Education Schools, et bien sûr des programmes internationaux qui permettent à l'étudiant de partir à l'échelle internationale et obtenir des diplômes de grandes universités et de grandes écoles qui sont partenaires de l'Université européenne de Tunis. Autre spécificité de l'université aujourd'hui, c'est le côté, international. Nous avons plus de 70 partenaires à l'échelle internationale. Je dis bien sur les 5 continents, on vient de signer dernièrement avec l'Université de Sydney. Et l'international reste au cœur de l'Université européenne de Tunis. Et aussi le campus, nouvelle génération aujourd'hui. Et l'IHOA, il permet à l'étudiant d'être opérationnel dès qu'il finit sa formation. Lyoum, nous avons des espaces actifs et interactifs qui permettent à l'étudiant d'exercer des activités. Kima, par exemple, nous avons les étudiants en entrepreneuriat, business administration, management, finance, trading. Ils ont une salle d'audience, une salle de marché, trading lab pour pouvoir faire des simulations d'opérations boursières. Ils ont aussi ce qu'on appelle un incubateur et un accélérateur d'entreprises et de start-up pour créer leur propre entreprise. Et nos étudiants, par exemple, de droit ont aussi une salle d'audience interactive, c'est-à-dire Markma et Derbou Féa, puis Najmou Imersou, le Mehnam Teham par la suite. Donc, Ahna, c'est un campus intelligent, nouvelle génération, un student hub, des bulles, etc. Tous les atouts pour que les étudiants puissent réussir une carrière professionnelle.